Ça va? Ça va, ça va. Jérôme Commandeur, le challenger. Jérôme, 21 ans. On a l'impression d'avoir un combat de boxe. 21 ans, oui, ouais. Oui, oui. Tu fais l'arbitre? Attention. Là, tiens, je vais non, arbitrer, regarde. C'est ce soir, l'arbitrage est ici, avec les boîtiers et vous, la maison, évidemment. Eh ouais, t'es prêt, Jérôme? Ok, c'est bon. Ça va le faire? Top applause. Top applause. Il le fait aussi, vous voyez, c'est un imitateur, ça tombe très bien. Le titre de son sketch, c'est Vox Populi, il s'appelle Jérôme Commandeur. C'est parti, merci. Challenger! Question de l'abbé Pierre-Lot de Méaul et de Madame Belpère de Loche. Je vois que l'abbé est en bonne forme. Qui a dit « Vive le Québec libre », Philippe Candeloro. Ça y est. Ah, c'est Sim. Je sais pas, Fabienne Thibault, là, Fabien, Courte-Manche. Mais non, mais je vous en prie, Candeloro. Allez, Philippe Risoli, aidez un petit peu l'ami Candeloro. Ah! Et hop, bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Philippe Risoli. Bonjour, on va tourner la roue après. Oui, vous aurez les hôtesses, vous inquiétez pas. Alors, eh bien aujourd'hui, je vois que Lucky Luke n'arrivera pas à la hauteur de Rentemplant, dommage. Mes candidats, Yves Duteil, Étienne Dao. Oh non, les gars, s'il vous plaît, chantez pas. Non, non, estimation, estimation. Schlink, schlink, vous m'avez appris la danse, danse, vous m'avez appris les pas. Emmenez-moi la cadence, danse, venez danser avec moi. Bon, c'est gentil. Imitateur, c'est pas ta seule passion. Non. C'est non. Bien ça, Jérôme. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Du théâtre, de la radio. Comédien un peu. Oui, un petit peu comédien, même beaucoup comédien. Et puis des spectacles de temps en temps d'imitation. Oui, c'est ça. Ouais. Tes projets, lesquels sont-ils à 21 ans? Mon projet, c'est une parodie télé, enfin une chronique de parodie télé pour une chaîne câblée. Et puis un faux journal pour une radio où l'on rit et où l'on chante, de rire les chansons. D'accord. Ce qui serait bien, c'est de demander si actuellement il passe quelque part. Parce que s'il y a des producteurs à la télévision qui désirent le voir, c'est une occasion d'aller le voir dans l'endroit où il passe. Tu passes où en ce moment? Bien joué, Ismaïl. Bien joué. Et bon point. Et ouais. Et allez, Ismaïl. Bon point. Il faut que tu profites de cette occasion pour dire où tu passes. Hey, tu sais qu'il va avoir le temps de bavarder. On va le revoir. Hein. T'inquiète pas, parce que tu vas pas que tu bavardes avec lui. Tu passes où? Oui, bah bientôt à Paris. On retrouve toutes les dates sur la radio du rire et des chansons. Ouais, c'est bah voilà, tu vas éclairer une couche en même temps. Il s'appelle Jérôme Commandeur, c'est votre challenger ce soir. Merci Jérôme.